Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi, ça va très très bien et aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 11.5 de notre aventure horrifique sur Resident Evil 2. Comme d'habitude, favorisez un casque ou des écouteurs, éteignez la lumière, prenez un petit truc à manger, un petit truc à boire, voilà, parce qu'on va se retrouver une bonne demi-heure ensemble dans cette aventure horrifique. On va faire le tour de notre inventaire, on est toujours dans le nest, j'ai un trophée qui va tout simplement rallumer le courant, ou en tout cas activer quelque chose, une porte peut-être, je ne sais plus exactement. J'ai pas mal de munitions incendiaires, des munitions acides, de grenades, quelques munitions de pistolet, de ci et là. C'est plutôt cool en vrai, on est bien stuffé. Là je pense qu'on peut y aller sans trop de crainte, mais attention, ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, évidemment, ça serait fort dommage. Tiens, on va faire comme ça. J'aime bien quand c'est organisé, d'accord. Ici, c'est tout ce qui est énigme, évidemment. Et en haut, ce sera les munitions. Oh, on est bien là. Oh, on est super bien organisé. Non, mais on est très bien. On est très bien. Ça fait donc 3 places. C'est normalement plus qu'il n'en faut, je pense. Vous allez bien? Vous avez passé une agréable journée? Vous avez passé de très bons épisodes au préalable? Moi, en tout cas, ça va très bien. Toujours un bonheur de retrouver notre Claire. Bien, les gars, c'est... Wow. Ça... Non? Non, tout le monde... Tu t'en bats les couilles! Non, putain, il est tombé. Oh, j'ai cru qu'il s'en battait les couilles. J'ai failli prendre une patate. Oh, ça s'est joué à la seconde près, c'était terrible. C'était terrible. Allez, on va voir le trophée pour activer. Donc, c'est double Tetris, petite barre, deux carrés et grosse barre. Oh, ça me plaît, ça. Donc, c'était double Tetris, petite barre, carré avec le gros carré au-dessus et grosse barre. Normalement, là, en vrai, pas trop mal. Effectivement, c'est fait. C'est parti, on va pouvoir commencer à faire le remède. Mais après, il me semble qu'il va falloir le réchauffer. Je sais plus du tout où ça se passe. Éclairez-moi, s'il vous plaît. Attendez, déjà la serre. On va s'en occuper. Salut mon pote. Ouais. Hop. Ni vu ni connu. Ah, ah. Aïe. Hop. Eh, on mène ça en enfer. C'est pour moi, c'est Bibi qui régale. Allez, tu me diras ce que t'en penses. Voilà, ça dégage. Bon, on devait jouer avec ça, je me souviens. On devait totalement jouer avec ça. C'est parti. On va y mettre notre substance. Oh là là, putain, oui, c'est un bordel. Ajuster le volume de solution en fonction de la cartouche. Je m'en souviens. Très bien. Très très bien. On va tester des choses, d'accord. D'accord. Ça ne marche pas. Ah, ok. D'accord, et ça peut marcher, ça, vous croyez? Bah non. Ok. Ah, putain, merde. En vrai, je pense avoir trouvé. Ah ouais, mais je m'y connais, j'ai taffé dans un labo quelques années, c'est vrai que je connais un petit peu le principe. Normalement, regardez bien, parce que, attention, hein, c'est fait par des professionnels uniquement. Il faut que ça soit approuvé par des laboratoires. Bah voilà, ça marche pas. Je sais pas ce que je fais, putain. Ok. Très bien. Normal. Oh, bah attends, j'ai été le boss en vrai, non? Je pense avoir été littéralement le boss. Bah oui. Mais j'étais monstrueux. Félicitations, j'aimerais qu'on m'applaudisse, s'il vous plaît. Applaudissez-moi en commentaire. Sinon, ça risque de m'énerver, d'accord? Ouais, en ce moment, je suis très fébrile. Cartouche, j'ai la solution. Ok, cartouche, c'est fait. Qu'est-ce qu'on devait faire? Mais j'en ai aucune fichue idée. Je devais chauffer le produit, je crois. C'est là le problème, en fait. C'est là où je pense que... On va se battre. Ok, on a chéri par ici. On a des cartouches à aiguille. x4. Ah, on va revenir... What? Poudre noire, grande quantité. Non, on va revenir en arrière. Hein. Je vous le dis, hein. Je vous le dis. Très bien. Et là, qu'est-ce qu'on avait? Eh, mais faut allumer le courant. Mais oui. Yo. Ah bah oui, je ne peux apparemment pas passer par ici.
On va donc passer par ici. Hop. Ni vu ni connu. Ça, c'est fait. Par la même occasion, on va poser ça là-dedans. Ça me paraîtrait... Je pense pas que ça va fonctionner. Je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr. Voilà, pour le coup, il fallait le chauffer. Mais alors, c'est tout, ça se faisait. C'est tout, ça se faisait, les gars. J'en ai aucune fichue idée. Non, non, non. Ok. C'est pas vrai. Hop, une grenade. Eh hey, mais je me vois pas utiliser les grenades incendiaires pour ça en vrai. C'est ça qui me chagrine. Hop, ça dégage. Hein. Ça, c'est direction les enfers. Je me vois pas. Tu te vois, toi? Moi, je me vois pas. Allez, on est reparti. Désolé. C'est la poste. Voilà, pour ne rien vous cacher, je pars au Japon demain, au moment où j'enregistre cette vidéo. Et la poste a sonné. C'est terrible. C'est terrible. Mais j'ai dû y aller. En urgence. Et là, qu'est-ce que je fais? Je sais plus où j'habite. Ah oui, ça y est, je me souviens. Je vais aller récupérer la poudre, évidemment, et je ne sais plus quoi. On y va. C'est parti. Allez, j'ai sauté le passage, hein, parce que c'était totalement inintéressant, où on traversait les plateformes. Il n'y avait rien de spécial à regarder. Et... Alors, c'était où? Cafétéria cartouche à aiguille. Et de l'autre côté... Oh. Normalement, il y a une petite astuce. Bougez pas. Hein. Regardez, je connais bien le jeu. Ferme-la. Ferme-la. Saloperie. C'est pas vrai, hein. Mais tu t'arrêtes jamais, mec. Arrête-toi. Arrête-toi une seconde dans ta vie, quand même. Bon, ça, c'est plutôt pas trop mal. Hop, on va reload ça très très vite. Et on va reprendre le pistolet qu'on va reload aussi. On va les récupérer, mine de rien, la grosse poule, parce que c'est hyper intéressant. Ça fait tout de même 6 cartouches acides. Et c'est plutôt cool. Bon, par contre, on n'a toujours pas détruit une seule fucking plante. On va le faire très bientôt. Ah là, putain, je l'avais pas vu, c'est terrible. Incroyable. C'est bon, on va pouvoir s'en aller. Sachant qu'en plus, on a le bracelet niveau 2. Très clairement, ce petit retour valait le coup. Bah, j'ai envie de vous dire, on se retrouve directement dans l'autre partie, parce que là, aucune partie n'est intéressante. Allez, à tout de suite. Allez, on est de retour. Je vous ai fait gagner une minute de vidéo. Les gars, hey, c'est pour moi, c'est Bibi qui régale. Je vais poser vite fait les trucs un peu inutiles, comme ça, par exemple. Bah, ça aussi. Et une munition d'aiguille, c'est pas ouf, hein, en vrai. C'est inutile. Hop, on va ranger ça, parce que ici on fait les choses proprement. J'ai toujours le petit appareil qui va nous permettre sûrement de rallumer le courant. Tiens, on va save, hop, un petit plaisir comme ça. J'avais envie de save. Une petite envie de save, les gars, ça ne se refuse pas. Et on va directement activer le courant, qui va nous permettre d'accéder à de nouvelles pièces, et puis revenir en arrière. Par contre, la question c'était, où pouvons-nous activer ce courant? Pour moi, c'était à l'étage du bas, à l'étage inférieur. Non mais attendez, il y a une supercherie là. Arnaque et calomnie. Il y a forcément un truc que j'ai pas vu. Il y a forcément un truc que j'ai pas vu. Et ça doit être par ici. PC cadre supérieur. Système de pulvérisation. Forcément quelque chose que j'ai pas vu. Et ça se passe en bas. Donc on va repasser par ici. Raccourci, je connais bien. Là, c'est là où j'ai chopé le boîtier. Donc, pas besoin de le remettre, hein, évidemment. C'était par là, hein, c'était en bas. Hein. C'était en bas. Là où il y avait les deux liqueurs, s'il me semble. Mais oui, je m'en souviens. À côté des deux... À côté du distributeur de canettes. Désolé, je bafouille. Laurent bafouille, excellent, on adore. Putain, le Boris avant tout. Ok, c'était par ici. Attends, c'est vrai que je fais comme chez moi, là, frérot, mais... Hop, on va très vite sortir le... C'était là-bas, voilà. Faites pas les cons, les gars. S'il vous plaît, c'est pas le moment. Très bien, bon, on a quoi? Murf, cette fois-ci. Allez, on va le faire. Hop. On va examiner ceci. Murf. Très bien, hop. Voilà, on va changer. Oh, on est à côté, normalement. Voilà, aucun problème. Attends. Je sais pas ce que je fais. Ok, utilisé. Murph, c'est fait. Pas de soucis, ça réactive l'électricité.
Elle a bougé, elle. Le pire, c'est que j'avance doucement, et plus j'avance doucement, plus j'ai peur. Ok. Peut-être la salle des serveurs, hein. J'adore les salles de serveurs. Ça me paraît être une bonne solution. Ok. Un cube de combat. Je prends, j'en avais plus. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Rien. Vraiment, juste une save et c'est pas ouf, les gars. En vrai. En vrai, c'est pas dingue. Très bien. Bon, bah, on va poser ça là. Voilà. Pas besoin de cette poudre pour le moment. On va save, aucun souci. Jusqu'ici, on s'en sort très très bien. Un peu déçu de cette salle des serveurs, je m'attendais clairement à mieux. C'est dommage qu'ils l'ouvrent que maintenant. Ils auraient pu l'ouvrir un petit peu avant. En vrai, tu gagnes rien. Et t'aurais pu sauvegarder bien plus tôt. À moins que ça parte en couille. Ok, c'était pas par ici. Quoi? Ah non, j'ai eu peur. Je croyais que les lumières s'étaient rééteintes. C'était là. Ok. Il s'est passé des choses par ici. Très bien. Je m'en souviens ici. Il y avait même une énigme, je crois, sur un ventilateur. Là, c'est sûr. Quel cauchemar. C'était évident. Ah. Je pensais que... Putain, merde. Wow, 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 ouais, slalom. Elle met la pression de ouf. Non, 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 bah non, j'ai pas gâché une balle pour ça. Madame. Allez, hein. Incroyable. Combien j'ai mis? J'ai mis 10 balles, je crois. Meurs. Abuse pas. T'as bouffé quoi ce midi, putain? Ok. Désolé, ça m'arrive de m'énerver. Bienvenue, Dr. Lee. Oh ouais. Vous avez 5 nouveaux messages. Ok, boîte de réception. Expéditeur Rick Mendoza. Qu'est-ce qu'il fout? Tu as vu la dernière vidéo de cet abruti de Carl Twing? Faut qu'il calme sa joie, ce connard. Enfin, c'est lui le patron, pour l'instant. Sinon, tu n'as pas vu ma double hélice? J'ai inscrit mon secret en dessous. Dis-moi si tu la trouves. Trop occupé, hein, de Byron Cartwright, pardon. Je ne saurais sûrement jamais dire son nom, hein, peu importe le nombre d'aventures que je ferai sur ce jeu. Alors comme ça, vous n'avez pas pu venir à notre petite réunion? Pas de souci. Oubliez l'inspection de la serre. Je vais vous donner quelque chose de bien plus simple à faire. Mettez en place le budget prévisionnel pour dans 2 ans. Et je veux l'avoir ce soir. Expéditeur Rick Mendoza, t'es vivant? On nous attaque, il y a des morts. On ne peut plus accéder à la zone est. Impossible d'activer le pont avec nos bracelets où se cache cette enflure de Cartwright. Expéditeur Rick Mendoza, réponds je t'en prie. La plante 43 est déchaînée. C'est le chaos dans la serre. Il faut envoyer quelqu'un là-bas avant qu'il ne soit trop tard. Wayne, comment on peut arrêter ce truc? Tu dois nous aider, je t'en prie. Réponds. Rick Mendoza, tu te souviens de Suzy, la pom-pom girl? Quelle chouette fille. On était tous les deux amoureux d'elle. Mais bien sûr, elle s'en fichait des nerds. Il faut toujours que je te rende les BD et les jeux que je t'ai empruntés. Mais tu risques de devoir attendre encore longtemps. Ok, si c'est comme ça que tu dis adieu, frérot. Pas super ouf. On a quoi? Ah, je croyais que c'était une sacoche. J'ai rêvé pour rien. On est là? Là, on est très bien, là, je crois. Là, si j'ai pas encore agressé. J'aurais pris ma parka. Oh, ma parka. Claire, elle est tellement mignonne, bordel de merde. Allez, c'est parti. On va refroidir la solution, on va le pulvère. On va le pulvère littéralement sur les plantes, on va leur mettre leur part. Et on va récupérer le bracelet de niveau 3. Et on va pouvoir encore aller plus loin, et ça c'est incroyable. Tout va très très vite. Hein. Très très vite. Voilà, vas-y, régale-nous. Hop, ça c'est Bibi qui régale. La solution, c'est fait. Maintenant on va la pulvère, littéralement. Sur les plantes, on va quand même fouiller la pièce. Hop. Voilà, c'est cadeau ça, in the pocket. Refroidissement terminé. Soucis. Qu'est-ce qu'on a là? Je prends. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bonjour madame. En vrai, un bon screamer, c'était si elle se relevait. Là, j'aurais dit, honnêtement, GG à eux. Mais ils l'ont pas fait.
Sûrement que les gens s'y attendaient. Ok, j'ai rien oublié, Oh, il y avait des munitions. On y va. Normalement, elle s'enlève pas. Je connais bien. C'est mon arme. Plus rien à faire ici. Ok. On va essayer de récupérer les munitions incendiées. Incendiaires, les munitions incendiaires, pardon. Je ne sais plus parler, des fois je perds mes mots. Et on est plutôt... C'est où? Ah putain. Putain, mais des fois tu vois rien. Heureusement j'ouvre la map de temps en temps en vrai. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Ça on va le déposer, aucun souci. Ça c'est la solution, c'est plutôt propre. Et ça on va le mettre ici. Très bien. Là on est... On est bien. Hop, une petite save. On est parti. Direction la serre pour récupérer le nouveau bracelet. Par contre, j'ai souvenir qu'avec Leon, il y avait Mister X qui revient. Normalement, là, il reviendra pas. Donc, j'ai hâte de voir un petit peu ce qui va se passer. Parce que pour aller récupérer, mine de rien, cet antidote. C'est quoi le plus court, finalement, quand on y pense? Pour aller à la serre. Ouais, c'est juste ici, en fait. Ok, clairement. Ok. Clairement, le plus court, c'est l'autre bout du couloir. Hop. On va prendre très vite ça en main. Sait-on jamais. Mais jamais trop prudent. J'en ai marre de prendre ma part gratuitement. Ok, c'était ici. Lui, il est bien mort. Oui, il est totalement mort. C'est quoi ce bruit? Oh! Hiro! Ah non, non, je peux pas utiliser ça. Vous pouvez mourir, monsieur, s'il vous plaît? Merci. C'est très sympa de votre part. Ok. Cours. Il y a encore une musique bien étrange. C'est bon. Direction la serre. Aïe, 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 aïe. J'ai peur, je frissonne, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Non. Eh, c'est bon, gros, t'es sous acide après. Hein. Non. Non. Voilà. Merci, mon pote. Allez. Ok, on va mettre grenade incendiaire. On est jamais trop prudent. C'est parti. On pulvère tout ça. Vas-y, régale-moi. Et on va chercher le bracelet de niveau 3. Quoi? Ah non. Pulvérisation de solution. Petit moment de doute, c'est normal, ça arrive. Ok. Ça, c'est ce que j'appelle désherber. Ouais! Attends, Pierre. Alerte. Vous avez répandu une solution dangereuse sans autorisation. Vos actions ont été enregistrées et vous pourrez faire l'objet de mesures disciplinaires. Ok. Oh, je suis pas bien. Ça, c'est fait. Ensuite, là, je sais pas. Je sais pas. On s'en va. Hop. Yo, mon bro. Salut, salut. Il y a de la joie. Bonsoir, bonsoir. Allez, salut. Ah, ah. Putain. Qu'est-ce que tu fous là? Tu iras brûler en enfer, mon pote, mais tu vas me faire un petit peu. Mon pote. Voilà. Ok, bracelet niveau 3, c'est fait. On doit repasser cet enfer. Normalement, ça va, ils sont encore à terre. On a fait très rapide sur le coup. Pas du tout. Hop, on se calme, s'il vous plaît. Boum, ça, c'est fait. C'est parti. William Birkin, renforcement de la sécurité. Depuis quand le Nest est un nid d'espion? 3 le mois dernier et un 4e ce mois-ci. Et je ne parle pas de ceux que nous avons rattrapés. Renforcez la sécurité, Cartwright. À moins que vous vouliez finir comme votre prédécesseur. Sachez aussi que je vais restreindre l'accès à la zone ouest aujourd'hui. Ignorez toute demande du siège à propos de G. Ces bureaucrates n'apportent rien au projet, de toute façon. Expéditeur, message automatique, ne pas répondre. Dispersion d'herbicides par un employé non autorisé. Détecté dans la zone est. 4h51. Très bien. Ok, on se cassos, les gars. On a clairement plus rien à faire ici. Bon! Le pass de niveau... Oh, on avait une plante bleue. Eh, est-ce qu'on s'en battrait pas un peu les couilles? Eh oui, totalement, les gars.
On va directement aller à la suite, hein, les gars. Là, on n'a pas le temps. Regardez toutes ces poudres. Là, on finit le jeu à l'aise. Hein. On finit le jeu dans un confort et dans un plaisir, les amis. C'est moi qui vous le dis. Tiens, regarde ce que je peux faire. Regarde, tout va aller extrêmement vite, évidemment. Hop, voilà. Aucun problème. Le soin, c'est fait. Une save. Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie de save maintenant. C'est parti. Direction la suite de notre périple avec le niveau 3, c'est-à-dire de l'autre côté du nest. Et c'est là où normalement il y aura l'antiviral, hein, tout simplement. Hein. Et après, ce sera le dernier épisode. On aura donc mis 12 épisodes. C'est pas mal. On en avait mis combien la dernière fois? On en avait mis 13 14 14 épisodes, je crois. Deux épisodes d'économiser grâce à une rapidité d'exécution incroyable. Ok. Je sais plus trop ce qui m'attend là-haut. Ah si, il y avait une succession de pièces, mais il n'y avait pas de méchant. Mais je m'égare peut-être. Et c'est pas le moment de s'égarer, les amis. Ah. Ah non, je me souviens pas de ça, moi. Ok. Casser de vidéo. Allez, les gars. Ok, et grenade. Allez, les gars. Toujours bon à prendre. On a quelque chose ici. Qu'est-ce que c'est? OSS, très bien. Hop. On va le faire de suite. Examiner. OSS. Alors. Ça me paraît pas mal, ça. Ok. Je me fourvoie, je crois. Impeccable. Impeccable. Rappelle-moi ce que tu me donnes. Non, t'allumes juste le courant, peut-être. Je sais plus. Ouais, d'accord, t'allumais juste le courant, mais quelle arnaque, putain. Ah, ils auraient pu me récompenser et me régaler, hein. Boîte de réception, William Birkin. Jane Doyle, arrêt des recherches sur G. Umbrella Corporation a décidé de mettre fin à toutes les recherches sur G menées dans le laboratoire souterrain du Nest. Tous les financements du projet ont été coupés et le directeur du laboratoire, William Birkin, a été démis de ses fonctions. Expéditeur BE. Merci pour votre message, Dr. Birkin. Nos supérieurs sont intéressés par l'arme biologique en évolution que vous mentionnez. Ne vous en faites pas pour le budget, notre entreprise bénéficie des meilleurs financements des États-Unis. Richard Kessler, félicitations! J'ai appris la bonne nouvelle! G est presque prêt! Je suis surpris que vous ayez omis d'en avertir le laboratoire de recherche du siège d'Umbrella. Mais je ne vous en tiens pas rigueur. Envoyez-nous les données, je vous prie. Et ne vous en faites pas, vous avez fait du bon travail sur G. Nous nous occupons du reste. Jane Doyle, vous êtes soupçonné d'avoir enfreint votre contrat avec Umbrella Corporation. Nous avons la preuve que vous avez tenté de vous approprier le projet G et que vous entretenez des contacts illégaux avec l'armée américaine. Vous disposez de 24 heures pour vous présenter devant le comité d'enquête, évidemment. Chose qu'il ne va, je pense et je suppose, ne pas faire. Ok, ici c'est pour des expériences. Hein. Ici, il y a des gens qui sont mis leur dose, très clairement. Je rappelle que la drogue, c'est mal. Vous risquez de finir comme tous ces zombies. Et ça, c'est pas cool. Un lecteur vidéo, pas loin, là. Ok, on a rien. Vous aurez... Oh. On a pas mal de choses, en vrai. Hop, ça sert plus à rien. Ça, on jette. Aucun souci. Hop, dans ma gueule, je me fais pulvère aussi. Bon. Ah, je me souviens de certaines choses. Je me souviens de certaines choses. On va s'arrêter la salle d'après. Et clairement, le prochain épisode sera le dernier. Si mes souvenirs sont bons. Et il n'y a pas eu Mister X. Donc, je me demande s'il y aura une sorte de deuxième boss. À voir comment va se dérouler ce combat-là. Journal de recherche. Observation sur la croissance de l'embryon. Après avoir implanté l'embryon G dans le sujet, nous avons pratiqué une incision de 50 cm entre la poitrine et l'abdomen et commencé l'observation. Avec l'aide de l'équipe médicale, le niveau de conscience du sujet a pu être maintenu entre 15 et GCS 10. Toutefois, ce niveau s'est détérioré et nous n'avons pas jugé nécessaire de poursuivre l'observation. Le sujet a donc été éliminé. Observation sur le taux de reproduction. Le virus G a été inoculé au sujet 501. Après s'être transformé en G, 501 a été mis en présence d'un groupe de 30 sujets de test. Après 2h 36 minutes, un embryon avait été implanté dans tous les sujets, sauf un. Tous les sujets ont été éliminés. L'un d'eux a craqué au cours de l'expérience et s'est ôté la vie. Test de résistance au virus T. Nous avons inoculé le virus G au sujet 628.
qui était montré, qui avait pardon montré une légère résistance au virus T. Le virus a ensuite été transmis au sujet 639, avec lequel 628 entretenait une relation intime. Malgré des signes de résistance, 628 était porteur d'un embryon après 24 heures. La résistance au virus T n'empêche pas la détérioration mentale provoquée par le virus G. Très bien, ça, c'est fait. Là, là on a, je suppose, l'antiviral et le virus, hein, par la même occasion. Et ici, on a quoi? On a une petite plante qu'on va prendre, voilà. On a quoi? On a encore... on se régale, hein. On se régale, tout va très très vite. Regardez-moi, on a une save. Et évidemment, on a le coffre. Je pense qu'on va s'arrêter là. On va save et on fera tout lors du prochain épisode. J'espère que cette aventure et cet épisode vous a plu. Je vous dis à très bientôt. À dans 2 jours pour la suite et la fin de notre aventure sur Resident Evil 2, la partie avec Claire. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.